46 in college Ave, where I was raised, spent my days counting sun rays. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 de la semaine. Et oui, cette semaine, il y aura un top 5 parce que j'ai pas reçu assez de clips pour faire un top 10, malheureusement. Et dommage d'ailleurs parce que les 5 clips que j'ai reçus sont vraiment bien. Enfin, j'en ai reçu 7. Il y en a 2 qui sont pas ouf, c'est pour ça que j'ai classé que les 5e. Que les 5 meilleurs en gros. Et voilà, les 5 sont vraiment bons. Donc j'aurais pu faire quand même un bon top 10 si j'avais reçu 10 clips. Mais malheureusement, j'en ai reçu que 5. Donc bah, pour la semaine prochaine, si vous avez des clips qui traînent, même si c'est des anciens, n'hésitez pas à me les envoyer à la fin de la vidéo. Je vous explique comment les envoyer. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. J'aimerais bien recevoir quand même 10 clips pour la semaine prochaine. Donc voilà, sans plus tarder, on commence à la 5ème place. En 5ème place, on commence avec Torpeur qui va nous faire un petit flop ici pour ratterrir en side ride sur bah, ce mur que j'ai déjà fait d'ailleurs. Il va enchaîner un cog sur le petit muret. Bien joué à toi pour cette 5ème place. En 4ème place, un très joli combo de Xper Unit. Regardez, il va partir de ce toit. Je sais plus, il est vers les villas. Regardez, il va sauter ici pour faire un cog sur ce buisson. Il va enchaîner un board dans cette barre et ressauter pour faire un handle. Magnifique combo, très original. Bien joué à toi pour cette 4ème place. En 3ème place, nous avons Bells, médaille de bronze, encore une fois un stun qui m'a beaucoup impressionné. Il va faire le side ride, 2ème side ride via un transfert en perpendiculaire. Et à partir de ce 2ème side ride, il va enchaîner un glide pour enchaîner le cog sur ce panneau qui est vraiment magnifique, super clean, magnifique combo. Dommage que t'as pas enchaîné la barre qui descend, ça aurait été sublime. En tout cas, très bon stun quand même. Bien joué à toi pour cette 3ème place. En 2ème place, nous avons un stunt tellement original de Mazaboy. Un stunt qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il va sauter d'ici pour refaire un petit jump et prendre le wallride. Et regardez ce qu'il va faire en wallride. Il va prendre le premier tride en montant et redescendre dans l'autre tride en redescendant. C'est vraiment tellement original. C'est un wallride, mais voilà, c'est original. Et aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est l'originalité. Donc au final, un gros GG à toi pour cette 2ème place. J'ai beaucoup hésité avec la première place. Bien joué à toi pour cette 2ème place. Et le gagnant de cette semaine, c'est Shaza avec un stunt tellement original aussi. Un stunt encore une fois qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité avec la 2ème place de Mazaboy. Regardez, il va prendre le bump ici pour faire un frame sur la barrière du train. Ça va le faire un petit peu bumper et il va reprendre un reverse frame, un reverse slide sur l'autre barrière. Vraiment très original. Bien joué à toi pour cette première place. Et voilà, c'est la fin de ce top 5. Je sais, c'était tellement court, mais voilà, c'est parce que c'est un top 5 et puis je reçois en ce moment pas beaucoup de clips. Je reçois pas mes 10 clips en ce moment par semaine. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me l'envoyer par message privé. C'est tout simple, vous avez juste à publier votre stunt sur votre chaîne YouTube. Donc au final, ça prend quoi, 2 minutes? Vous allez sur ma chaîne dans À propos de, dans Envoyer un message et vous mettez le lien de votre clip sur le message, tout simplement. Alors par contre, essayez de le mettre en non répertorié si vous voulez pas que les gens le voient et ne le mettez pas en privé, sinon je ne peux pas le voir. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez me l'envoyer par Skype pour ceux qui montent sur Skype, mais je peux pas donner mon Skype comme ça. Et sinon, vous pouvez me l'envoyer par un mail qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, c'est pas compliqué, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos stunts BMX, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je reçois pas les 10 clips, et si ça continue, bah, je ferai que des top 5, donc c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis, ciao tout le monde.